Salut salut à tous les passionnés de musique africaine, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers envoûtant du soukous congolais avec l'album emblématique Droit de Veto de Koffi Olomide et Quartier Latin. Sorti en 1998, Droit de Veto est un chef-d'œuvre musical qui a marqué l'histoire de la musique africaine. Koffi Olomide, célèbre chanteur, compositeur et leader du groupe Quartier Latin, nous livre ici une performance exceptionnelle, témoignant de sa passion et de son expertise dans le domaine du soukous congolais. Cet album original sur Sono Africa CDS 8838, retrouvez plus de détails en fin de vidéo, est un voyage musical captivant rempli de rythmes entraînants, de mélodies envoûtantes et de paroles poétiques. N'hésitez pas à regarder en description pour plus d'informations. Si vous êtes collectionneur, je peux forcément vous aider avec des liens en description. Les chansons de Droit de Veto abordent des thèmes variés tels que l'amour, la société et la politique, reflétant ainsi la diversité et la profondeur de l'art de Koffi Olomide. La fusion harmonieuse des instruments traditionnels et modernes crée une ambiance unique donnant vie à chaque titre de l'album. Les voix puissantes et mélodieuses de Koffi Olomide et des membres de Quartier Latin se marient parfaitement aux arrangements musicaux, procurant une expérience auditive de plus captivante. Droit de Veto a connu un succès retentissant à sa sortie et a conquis le cœur des fans de musique congolaise à travers le monde. Les mélomanes ont été séduits par la créativité, l'authenticité et l'énergie débordante de Koffi Olomide et de son groupe. Cet album est devenu un véritable classique symbolisant l'excellence de la musique africaine. Douze titres, Rond-Point, Urgence, Licombe, Prototype, Zania, Shopping, Droit de Veto, Retour Riva, Sans Inverse, Rafiki, Plus Jamais, Nyanja. Le CD le livret, la première page, la deuxième page, troisième page, quatrième page, cinquième page, sixième page,
Septième page. Huitième page. Neuvième page du livret. Dixième page. Onzième page. Et la dernière page, le dos du CD. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous avec clochette de notification pour ne rien louper.